Bonjour, c'est la variation 14. Au milieu de ce petit groupe de variations mystiques, mystérieuses. On va aller en détail de tous ces mouvements qui se croisent, qui se superposent avec un thème qui domine tout. Et après toutes ces voix, il va se réunir dans les accords globaux. Le thème qui est resté pas changé, comme dans le prélude de Chopin, c'est là. Comme souvent, Rachmaninov aime bien ça, le cacher au milieu. Pas forcément la mélodie, c'est pas forcément la voix la plus haute. Et toutes les autres stratifications ici qui se bougent, qui se croisent. Il y a le bass, une cloche. Il y a la voix haute qui coule. C'était difficile pour moi de trouver la main qui fait la cloche dans le même temps, la mélodie qui est très décidée, qui est très présente, et la main qui est réelle, coulant, sans le poids. Presque sans la vie. C'est le même mouvement qui va descendre ici, il va partir dans la main gauche. Repartir dans la main droite, et c'est ça la voix qui va réunir tous les autres niveaux, toutes les autres stratifications autour de soi-même,
pour devenir le mouvement de six voix, ou parfois même de huit. C'est un accord qui va commencer de bouger. Et on voit très bien ce mouvement-là. Il se retrouve ici, il part. Il se retrouve, il part. Ça reproduit le mouvement qui a fait la voix haute. Il a descendu, il a monté, il a descendu. Très important ici, en tout cas pour moi, c'était la recherche du temps. Il y a un très grand écart entre la mélodie au milieu et les notes haut de la même main, de la main droite. Est-ce que je devrais essayer tout ça de réussir et de rentrer dans le temps précis, tout cet écart-là? C'est pas possible. On peut tricher, on peut quelque chose à ma gauche. Mais je pense si Rachmaninoff a écrit comme ça, c'est pas le but, justement, de rentrer tout ça en même temps. Il laisse pour nos oreilles vraiment l'espace dans le temps pour d'abord écouter une chose qui est importante, la mélodie, et après d'écouter ça que s'ajoute par-dessus. Donc, c'est pas de ne pas être obligé de jouer simultané et comme un métronome et de rentrer dans le temps. Je pense ici, c'est vraiment la volonté pour qu'on puisse attendre toutes les choses, et ce n'est pas possible avec nos oreilles dans le même temps. Il les distingue volontairement. A priori, c'est noté dans le même temps. Je pense que c'est justement l'effet de passer cette distance physique. Et si c'est une distance physique, on a besoin le temps. Par exemple, cela, c'est noté dans le même temps. Si on regarde cet espace entre basse, entre cette note et celle-ci-là, et si on le comprend, il le sent comme vraiment un espace qu'on a besoin de traverser physiquement. C'est normal qu'on a besoin d'avoir le temps pour ça, pour nos oreilles et pour nous. Et ne pas avoir ça, ça et ça dans le même temps. Cela, ce n'est pas possible si on ressent cette musique comme une chose réelle, matérielle et physique.